Salut à tous, c'est Ryzen. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en LFM sur Indianapolis. La deuxième pour moi, cette fois-ci, il fait pas nuit, il fait grand ciel bleu. Je suis qualifié P19 en 1.36.5. J'étais en train d'améliorer mon propre chrono en 1.36.1 dans les dernières minutes. Et j'ai complètement foiré mon dernier secteur, j'ai fait une petite coupure de piste, ce qui a annulé mon temps. Du coup, bon, j'espère que ça va pas se passer comme la première course. Bon, j'ai regardé les replays. Et le mec, je crois, il a complètement raté son freinage, je pense. Du coup, il a voulu couper un peu la piste pour éviter tout le monde et il a fait un strike. Bon, j'espère que ça va mieux se passer que ça. Au moins que j'ai pas de gros dégâts pour pouvoir faire une bonne course après, parce que là, c'était assez compliqué. J'étais en glisse partout. Les ennuis, je connaissais pas du tout le circuit. Là, ça, je commence à connaître 2-3 virages, on sait pas encore ça, mais surtout dans le dernier secteur. Un peu de mal. Alors on va se mettre à 70. Je suis à l'intérieur, il va falloir faire attention à notre freinage. Il y a beaucoup de Ferrari, les 7 premiers c'est les Ferrari. Faire très attention de toute façon. Voilà, ça s'est bien passé pour nous pour l'instant. Il a eu l'air d'avoir pas mal de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, mais... Il se rabat sur moi, lui. Oh là là, mais le mec il peut pas rouler tout seul ou quoi là? Je suis en train de perdre toutes mes positions. Ouais, c'est pas grave, on a quasiment rien en dégâts. Un peu large ici, je suis pareil. On est monté 15e du coup, on a gagné 4 places. Dommage qu'on ait le piste accroché avec celle de votre chose devant. Bon, j'ai complètement raté mon freinage. Je voyais pas mon point de repère. Alors ça, j'ai réussi à éviter tout le monde. C'est pas grave, on retourne au point de départ. Ça, quand on connaît pas très bien le circuit, c'est toujours dangereux. Allez, on se reconcentre. Car on the left.
Il a relâché un petit peu, j'ai pas le choix là. C'était chaud derrière avec la Honda. J'ai failli prendre l'herbe. Alors, on va essayer de suivre la bagarre de devant. Ça se décale. Oula, j'ai pris un coup de raquette avec la Ferrari. Meilleure sortie ici, c'est compliqué, la ligne droite est pas très grande, je vais juste se montrer. J'ose pas mettre full gaz en sortie ici, je devrais, je gagne un peu de temps. On va aller chercher au bout la ligne droite. Compliqué. Compliqué de doubler. Un bon tour, derrière elle a une seconde. Je pense que j'aurai une coupure de piste ici. Ah, même pas. Lâcher l'accélérateur. La Honda va fondre sur moi, je pense, si elle a bien poussé sa sortie de virage. Une 36-7. Il y a moyen de les rejoindre dans la bagarre. Hein.
Je suis Blaston. C'est chaud, mais on est passé, on est 15e. Allez, maintenant faut que j'arrive à suivre le rythme de la Aston Martin devant. J'ai besoin d'un petit coup de lave-glace sur le pare-brise, elle est sale. Allez, on améliore nos chronos, qu'on distance ceux derrière, qu'on revient sur ceux de devant. Pas facile ce virage. Nette amélioration. Ça c'est pas mal. Devant une 36-3, c'est bien. Devant, il tourne en combien? Pareil, on fait le même chrono. Encore moyen d'aller chercher des places. Allez, ça se bagarre en plus devant. Je me suis bien rattrapé de mon erreur du début de course. Il faut que je continue. Derrière, ils sont en bagarre, donc ça laisse un peu de champ libre, un peu de repos. Une option lave-glace hein, sur le jeu. Je vois que le soleil de pare-brise est complètement sale. J'avais une 36-2. Perdu dans le secteur 2, mais on améliore notre chrono. Pas trop mal. On a rattrapé la BM, les deux BM.
bagarre entre BM là-bas. Faudrait qu'on arrive à recoller avec nos deux Aston. J'ai failli bloquer les roues. On arrive à rester dans des bons chronos, on est régulier. Encore 10 minutes de course, c'est encore long. Il a recollé que les deux BM. J'ai un peu de temps ici, j'ai fait n'importe quoi. Allez, il peut se passer des choses devant. Ça bien connaître le circuit maintenant. Attention à devant, hein. Il va tenter quelque chose avec son Aston. Ah, attention à éviter l'accrochage s'il y a. En train de surconduire, ça va pas. Faut que je roule propre. Faut pas essayer de n'importe quoi. Aston a déjà recollé avec l'autre BM. J'ai le rythme pour les suivre. Il n'a pas dit son dernier mot que sa BM. Le numéro 20. Derrière sur 3 secondes, on a un peu de marche quand même. Après, faire attention, une petite erreur, c'est vite rattrapé. Devant. On est 14e, on était sur le bas-côté, je l'ai même pas vu. Un peu de glisse pour la BM. C'est revenu à 2 secondes 4 derrière en Ferrari.
crois qu'on est revenu sur un peloton aussi. Il reste 5 minutes. C'est bien, on se rapproche doucement. Derrière, elle revient fort dans ce secteur-là à chaque fois. Ratex à BM devant. Protection intérieure, il évite l'aspiration. On va encore en faire des heures. Hein. Il revient fort avec sa Ferrari. C'est un peu raté devant. Ça s'est accroché là-bas. Le dirty air sur le circuit, il est... Pour l'aspiration, sur la Ferrari, il revient comme une balle. Ça va finir mal, ça. On a réussi à passer la première BM, ils se sont accrochés avec la Ferrari. On va dire que ça m'arrange. Le leader dans son dernier tour. Les 13e très bien remonté. Meilleure sortie. Je sais pas s'il a l'aspiration sur l'Aston qui est devant lui.
Enfin, il y a du mieux, hein. Comparé à la première course. C'est pas encore ça, mais il y a beaucoup du mieux. On va finir P13. On démarre en 19e. Allez, on a effectué une très belle course, hein, je suis content. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle course. Allez, ciao.